Bonjour, je suis présent sur le réseau social YouTube car l'on m'a fait part de l'existence d'un jeu sur matériel informatique qui portait mon nom. Oui, enfin presque mon nom. Mon personnage, un fier guerrier, va lancer un dé de dextérité afin d'ouvrir cette porte. Voilà, j'ai posé mes testicules sur la table, j'ai montré que j'étais le patron, si vous me permettez cette expression quelque peu vulgaire. Mais nous sommes sur YouTube, alors je m'autorise quelques familiarités. Bon, il faut tout de même raison garder, je m'en vais sauvegarder. Dans ce genre de logiciel, car j'ai fait mes recherches, on ne sait absolument pas quel bandit de grand chemin peut tenter de vous détrousser derrière un sous-bois. Donc, je sauvegarde dans le doute. Par ailleurs, je peux aussi déplacer la caméra afin d'anticiper mes déplacements et surtout la présence d'ennemis. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas les photos de ma dernière coloscopie, il s'agit des restes d'un vaisseau extraterrestre dans lequel j'étais prisonnier. Alors toutes mes excuses si je ne vous ai pas montré le début de ce jeu, mais mon logiciel de capture a trouvé bon de me jouer une petite entourloupe. C'est pourquoi je prends ma session de jeu, comme on dit, le gameplay, à brûle pour point, tout en vous distillant un montage énergique. Chose que je pense être dans la vie de tous les jours. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Vous remarquerez la beauté de mon personnage, c'est ainsi que j'étais lorsque j'étais plus jeune. Plutôt bel homme, nonobstant la calvitie naissante. Et ce, dès mes 12 ans. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Je vais tenter de faire usage de mon charisme et tenter un jet de persuasion. Je n'ai pas été premier ministre pour rien. C'était il y a certes 30 ans, mais tout le monde s'en souvient. Voilà, le résultat de ce jet 2D est éloquent. Je suis ce que l'on pourrait appeler un mâle alpha. He's right. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. Je sens qu'une échauffourée se prépare. Je sauvegarde dans le doute. Le combat commence, je m'excuse pour ceux qui ne suivraient pas, c'est un peu un rythme effréné. Mon elfe efféminé fait plutôt pas mal de dégâts. À mon tour, mon personnage est bloqué. Dans ce jeu, il faut savoir jouer ses coups à l'avance afin de ne pas se retrouver acculé dans une situation inextricable. Ah, raté. Malheureusement, je ne contrôle pas ce personnage. Mon sorcier arménien vient d'envoyer un arc électrique sur cet antagoniste, qui est presque mort au passage. Je suis un fin stratège, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, maintenant j'ai le champ libre pour achever cette espèce de démon écarlate qui nous barre le passage. Dans le doute, je sauvegarde. La combinaison mage arménien et elfe homosexuel est une combinaison qui gagne à chaque fois. Voilà, cette session de combat n'a mis que 39 minutes, vous voyez, c'est un jeu qui se joue plutôt rapidement. J'ai donc bel et bien fait une vidéo sur Baldur's Gate, puisque comme vous l'avez tous remarqué, cela ressemble à mon patronyme. Je pense que la coupe est pleine, et que si un quatrième opus sort d'ici les 10 prochaines années, la blague, moyennement drôle, aura déjà été faite. C'est pourquoi je vous demande de vous arrêter. Voilà, je pense avoir été clair, et si nous étions dans le jeu, j'imagine que j'aurais lancé un dé de charisme qui devrait vous dissuader
de réitérer ce genre de calembour à l'avenir. Mais je ne m'interdis pas de relancer du matériel informatique prochainement et j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer mon skill sur des jeux venant d'autres licences. Comme l'on dit dans le milieu, abonnez-vous et mettez la cloche. Voilà, il me semble que c'est ce que l'on dit en ces occurrences.